casqué jaune et qui attend. Ce n'est plus Jonathan malheureusement. Casqué jaune et qui attend. Ce n'est plus Jonathan malheureusement. Casqué jaune et qui attend. Ce n'est plus Jonathan malheureusement. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend les gilets jaunes? Qu'est-ce que les gilets jaunes attendent? La démission de Macron. Oui Macron, tu avais du cran pendant les élections présidentielles. Vos discours et vos engagements étaient respondentiels. Pour les pauvres gilets jaunes, on a beaucoup de peine. Quoi, l'État nous aide? Je crois qu'il n'est pas vraiment ami avec nous. Il préfère nous mettre pas mal de bâtons dans les roues. Les gilets jaunes ont une certaine rage comme des loups-garous. Les gilets jaunes, afin de s'incruster à l'Élysée, ils vont finir par savoir par où. Mais les CRS comprennent toujours assez vite leur magouille. Quand ils lèvent la main sur eux, il y a beaucoup de houille. En plus, rien que quand ils rentrent à l'Arc de Triomphe, on nous fouille. Mais au moins, les gilets jaunes se serrent souvent les coudes. Les gilets jaunes sont tous conscients des problèmes qu'ils ont courus. Les gilets jaunes sont courageux. Les mouvements se propagent jusqu'aux pays étrangers. Eux aussi se sont rendus compte qu'ils se sont fait arnaquer par leur fameuse tête couronnée. Les arabes gilets jaunes ont des couronnes. Allez, il faut pas se décourager. Il faut que tous ces taxes baissent. Il faut que notre cher Macron il regrette. Il faut également que les hommes politiques le décrètent. Mais ça ne risque pas d'arriver car l'Assemblée nationale part également en steak. J'ai une question, est-ce que la DDHC on la respecte à 100%? Avec tout ce qui se passe, on ne peut que dire peut-être. Et toutes ces taxes, ça endette. Macron, on ne dirait pas que vous avez eu le pouvoir démocratiquement, mais plutôt par la conquête. Votre Brigitte, elle est plutôt coquette. Mais heureusement qu'elle a déjà pris sa retraite. Faites attention à toutes les lois que vous mettez. Aussi pour l'Assemblée nationale, attention aux erreurs que vous commettez. Si les gilets jaunes veulent qu'il y ait plus d'Élysée, ça sera difficile de s'en débarrasser. Peut-être grâce à une tempête comme Irma. Chaque week-end, c'est toujours le karma. Faut vraiment penser à ceux qui n'ont pas plus du SMIC par mois. Mais pendant ce temps, l'État gagne des caras. Certains n'ont peut-être pas tellement les moyens pour les taxes qu'ils seraient prêts à vendre un rein. Heureusement que les gilets jaunes... pour les gilets jaunes, il y a des politiques par un. Aïe.